Bonsoir. Il est de retour au Cameroun depuis cette fin d'après-midi, le couple présidentiel Paul et Chantal Biya, après un court séjour privé en Europe. Un séjour paisible, marqué par de vaines tentatives d'une poignée d'activistes qui ont choisi de le perturber. Une entreprise qui s'est soldée par un échec cuisant. C'est donc dans la plus grande ferveur, la plus grande allégresse que le chef de l'État a regagné le bercail ce lundi, rayonnant d'assurance, prêt comme à l'accoutumée à affronter les défis du quotidien, les nombreuses interpellations auxquelles notre pays fait face. En tête de ces interpellations pressantes, le tirage au sort des rencontres de la prochaine CAN Total Énergie Cameroun 2021 que notre pays s'apprête à abriter. À moins de 24 heures de cet événement qui va servir de propulseur, la réalité qui accueille les nombreux visiteurs qui séjournent dans notre pays est des plus plaisantes. Une dynamique globale de transformation structurelle est en cours dans le pays, avec en vitrine le nouveau paysage infrastructurel qui dessine quotidiennement de nouvelles courbes. Ports, routes, autoroutes, hôtels, et j'en oublie. Sur le plan social, les contraintes sécuritaires, bien que multiples, sont globalement maîtrisées. Et sur l'autre versant, l'économie camerounaise se montre toujours plus performante malgré les ravages du Covid-19. Le pays avance donc en toute confiance vers son émergence. En ouverture de votre magazine Présidence Actu, je vous propose de revenir sur le triomphe qui a été réservé il y a tout juste quelques heures à Paul et Chantal Biya. Puis nous allons passer en revue les différentes infrastructures sportives, routières et hôtelières du Cameroun au moment où le pays entame sa marche royale vers la CAN. Cette visite guidée va s'effectuer en compagnie du professeur Narcisse Moelle-Ekombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique. Chers téléspectateurs, merci de nous accorder votre hospitalité. Les retrouvailles ont ceci de particulier, qu'elles charrient toujours une bonne dose d'émotion, de chaleur et d'allégresse. Il ne pouvait donc en être autrement, ce lundi 16 août 2021, date de retour au Cameroun du couple présidentiel Paul et Chantal Biya. Parti du Cameroun le 11 juillet dernier pour un court séjour privé en Europe, le président de la République regagne le pays dans une atmosphère de grande ferveur patriotique et de légitime impatience de ses compatriotes qui sont partis des quatre coins du Cameroun pour lui souhaiter un bon retour dans la capitale. Cette chaleur du bercail sera portée avant tout par les multiples groupes d'animation qui ont spontanément pris d'assaut les rues de la capitale et l'esplanade du pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène depuis les premières heures de l'après-midi de cette journée pas comme les autres. Cette même chaleur des retrouvailles sera portée par diverses personnalités, en tête desquelles se trouve le président du Sénat, Marcel Gnat Diffendji. Lorsque le majestueux aéronef achève ses manœuvres sur le tarmac, c'est un Paul Biya, rayonnant d'assurance, qui en sort. Tout aussi rayonnante et décontractée, la première dame, Chantal Biya. Après avoir sacrifié au rituel protocolaire d'accueil, le couple présidentiel se dirige vers les groupes de danse et les nombreux militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour lui adresser un salut fraternel. À ce moment précis, la température va monter d'un cran. Revenu au pavillon présidentiel, Paul Biya va accorder une série d'audiences et d'abord au président du Sénat. Avec Marcel Gnat Diffendji, le chef de l'État évoque diverses questions d'intérêt partagé. Même ambiance studieuse pendant les échanges avec le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Nguté, qu'il reçoit par la suite. Troisième personnalité à être reçue, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, avec lequel sans doute un point complet sera fait sur les dossiers à lui soumis. La boucle sera bouclée avec Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, une formation politique engagée depuis quelques jours maintenant dans des opérations de renouvellement de son personnel politique. Dans le même temps, la première dame du Cameroun est occupée à partager avec des épouses de proches collaborateurs du chef de l'État ses souvenirs de voyage et sans doute aussi une évaluation des actions menées depuis son départ dans le vieux continent par les différentes structures à caractère humanitaire dont elle assure la présidence. Pendant ce temps, à l'extérieur, c'est déjà la liesse.
de l'aéroport de Simalène au palais de l'Unité, des Camerounais de tous âges, de tous profils et de toute sensibilité sociologique ont investi l'axe présidentiel pour dire non aux actes d'incivilité perpétrés par une poignée d'activistes qui ont choisi de se faire remarquer négativement pendant le séjour européen de Paul et Chantal Biya. Pendant un peu plus d'une heure, le président de la République et la première dame vont entrer en totale immersion avec leurs compatriotes dans un bain rafraîchissant de patriotisme. Il est 18h05 quand les grilles du palais présidentiel s'ouvrent. Le président Biya est de retour dans la capitale, plus résolu que jamais à conduire le Cameroun avec confiance vers son émergence. En véritable mascotte du RDPC, ce jeune militant n'aura pas lésiné sur les accoutrements pour se parer des atours d'un accueil original du couple présidentiel. Quand les gens veulent déranger, il faut leur montrer que nous, on peut déranger autrement. C'est le pourquoi je suis ici, à l'esplanade du palais. Moi-même, général Avatar Mathieu, je me pose accueillir mon père. Dès la descente d'avion de Paul et Chantal Biya en Simalène, plusieurs associations, les sections OJ, OF et RDPC des localités environnantes, dont le là d'une mobilisation à la hauteur de la grande estime dont jouit le chef de l'État. Nous sommes de tout cœur avec le couple présidentiel. Il y a la solidarité, il y a la fraternité, il y a le soutien, il y a le respect, il y a la haute considération. Nous disons merci et nous sommes très satisfaits. Malgré tout ce qui s'est passé, nous nous restons fidèles à notre cher président. Nous sommes toujours derrière lui, on prie toujours pour lui, pour la santé, la longévité, pour la paix, pour notre cher beau pays, le Cameroun. Que Dieu donne la force et le courage toujours de continuer. Ici et là, par les banderoles et par la chorégraphie, des regroupements de toute nature, de tous les horizons, appellent au respect des institutions et de celui qui les incarne. Le président de la République. C'est le regroupement des 14 associations patriotiques qui se déploient depuis de nombreuses années, non seulement à soutenir nos institutions, à défendre l'image de la République, à combattre les antipatriotes. À l'esplanade du Palais de l'Unité, c'est le Cameroun en miniature qui fait chorus autour du siège des institutions. La base, la section RDPC du Mfundi 1, à travers ce geste, voudrait témoigner au président national du RDPC notre indéfectible attachement à sa personne, aux idéaux qu'il incarne. Entre les lignes, la désapprobation, la désinformation qui entoure le déplacement du chef d'État, car tous l'ont vu bien portant. Notre président est là, il est en forme, il est en santé et mentalement il est solide. Le président de la République est toute une institution et on ne peut pas monter des mobilisations contre celui qui incarne cette institution-là. Nous, jeunesse estudiantine, sommes de tout cœur avec le président. Nous sommes fortement et lourdement qualifiés dans cette tâche. S'il en fallait une preuve, la forte mobilisation populaire autour du retour du chef d'État confirme les suffrages des Camerounais à Paul Biya en octobre 2018, réitérant sa légitimité et sa légalité, convaincant les plus sceptiques de la popularité présidentielle. Les différents corps sociaux ont fait chorus ce lundi le long de l'itinéraire présidentiel. Unanimement, ils se sont mobilisés pour élever un murmure de désapprobation quelques semaines après les événements du 17 juillet à la place des Nations à Genève. Les raisons sont intimement liées au rôle constitutionnel du président de la République. On attendait ce jour avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience et nous sommes vraiment enchantés que notre président soit en train de revenir, que le père de la nation soit en train de revenir retrouver ses enfants. L'État doit continuer et rester ferme sur la question de ses nervis, mais tout à côté de cela, nous pensons que le dialogue doit être permanent et doit se mettre en place. Et pour cela, la société civile devra jouer un rôle. Dans un contexte de pluralisme politique marqué par des libertés sous plusieurs formes, les institutions républicaines ont droit à un minimum d'égards. La sagesse en Afrique nous refuse de faire le procès de son père chez le voisin. C'est difficile de voir des mamans
en train de mettre à mal, de nuire à notre pays, alors que c'est elle qui devrait justement être cette force-là, cette force qui parle d'unité. Donc justement, aujourd'hui, nous sommes là pour montrer la force de l'amour de la patrie. Comme par le passé, pour donner de la couleur à l'accueil du chef de l'État, les regroupements professionnels ont organisé une parade dans les rues de Yaoundé. Aujourd'hui, là, nous les transporteurs, nous lui réservons dans sa terre natale ce qui lui est dit. Le président est une institution et grâce au président, nous vivons en paix. Malgré quelques turbulences, nous estimons que quand le président est attaqué, c'est tout le Cameroun qui est attaqué. Le chorus universel entendu à Yaoundé, selon l'expression de l'écrivain français Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, ce chorus a retenti hors des frontières, suscitant l'adhésion de certains Camerounais vivant à l'étranger, se revendiquant patriotes. Nous, de la diaspora camerounaise de Chine, marquons notre indignation sans réserve et apportons notre soutien indéfectible au président Paul Biya. Pendant les événements du 17 juillet à Genève, le président de la République est resté constant dans sa posture d'homme de paix, évitant tout affrontement des Camerounais en terre étrangère. Un message largement relayé par son Excellence Léonard Henri Bindi, ambassadeur du Cameroun à Berne. Professeur Narcisse Mouelekambi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, merci de nous accueillir. Merci, monsieur Yves-Marc Médio. Monsieur le ministre, dans quel état d'esprit êtes-vous à moins de 48 heures du tirage au sort des poules pour le compte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que notre pays, le Cameroun, s'apprête à accueillir? Bon, laissez-moi d'emblée vous dire que c'est pour moi un privilège et un grand honneur de prendre la parole dans le cadre de votre prestigieuse émission Présidence Actu, dont l'intérêt pour les questions de sport et d'éducation physique en général, ainsi que pour les préparatifs de la CAN Total Énergie 2021, est constant et significatif. Je vous en remercie et étends mes remerciements à l'ensemble de l'équipe de la CRTV, sous la conduite de son directeur général, qui depuis le CHAN et de manière permanente et constante se déploie pour assurer la couverture optimale et efficace de nos activités. Pour revenir à votre question, je dirais que mon état d'esprit est celui d'un humble serviteur en sa qualité de président du COCAN, qui voudrait exprimer toute sa reconnaissance, toute sa déférente gratitude au président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a bien voulu lui confier la lourde, passionnante et exaltante responsabilité de présider cet organe, le COCAN, dont les missions doivent permettre de réaliser une magnifique activité de prestige, de souveraineté et de rayonnement international de notre cher et beau pays, le Cameroun. En effet, le président de la République nous a prescrit l'organisation dans de très bonnes conditions de la 33e édition de la CAN au Cameroun, ceci en vue d'offrir une belle fête sportive à la jeunesse sportive africaine. Cette haute vision est, disons-le, partagé par les instances fêtières, notamment la CAF, que préside le docteur Patrice Motsepe. De même, la cérémonie du tirage au sort du 17 août 2021, c'est-à-dire demain, au Palais des Congrès de Yaoundé, constitue le premier challenge à relever dans la dynamique de l'organisation de la CAN. Par conséquent, le Cameroun et la CAF sont résolument engagés à assurer de manière éclatante la mise en œuvre de cette noble ambition sous le très haut patronage du président de la République. Je tiens à le dire avec force, cette ambition n'a de sens et de consistance. Cette ambition ne se concrétise dans l'effectivité et la réalité. Elle ne se matérialise que grâce à la grande clairvoyance, à la détermination, au volontarisme
et à la magnanimité, heureusement bénéfique, d'un grand homme, le président Paul Biya, à qui le mouvement sportif africain tout entier ne peut que rendre un vibrant hommage, comme ce fut le cas à la suite de l'éclatant succès du CHAN que notre pays a organisé en début de cette année. Monsieur le ministre, sur le plan pratique, à 24 heures de la tenue de cet événement, quel est l'état des préparatifs et qu'est-ce qui va en constituer, disons-le, le principal attrait? Alors, les préparatifs de la CAN Total Énergie Cameroun 2021, en général, et de la cérémonie du tirage au sort des poules en particulier, a commencé immédiatement après la clôture du CHAN, c'est-à-dire depuis le mois de février. Le tirage au sort constitue, pour le Cameroun en général, et son bras séculier, le COCAN en particulier, le premier test grandeur nature dans le cadre de l'organisation de la CAN. Le premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Joseph Dion Goûté, le président du comité CAN, a présidé tout récemment, le 4 août 2021, la 30e session de cette instance consacrée en grande partie aux préparatifs de cet événement. Lors de la 6e session du COCAN, que nous avons présidée le lendemain, le 5 août, en présence des 5 gouverneurs des régions concernées, des présidents des comités de site, des membres du COCAN, des responsables des commissions techniques et du manager événementiel partenaire du COCAN, Lib Creative Studio, nous avons passé en revue tous les aspects devant assurer et concrétiser la réussite de cet important événement. Plusieurs réunions en présentiel et même en visioconférence ont été organisées avec les responsables de la CAF et ont abouti à des résolutions que nous disons fructueuses, car concernant la bonne organisation et la minimisation des risques dans le cadre des préparatifs de cette cérémonie. Il me plaît de dire que dans sa conception telle qu'elle a été voulue par le COCAN, la cérémonie se veut une harmonie de sons, une féerie de couleurs et de lumière, ainsi qu'une belle fresque artistique, telle que nous l'avons voulu en tant que Camerounais, la scénographie qui sera mise en évidence au soir du 17 août célèbre et valorise le Cameroun dans son unité, dans son indivisibilité, son intégrité, mais sa diversité. La scénographie va célébrer le Cameroun en tant que gisement de trésors artistiques et de beauté touristique, en tant que terre de grandes opportunités, en tant que terre de grandes opportunités, selon ce credo cher au président de la République, son Excellence Paul Biya, mais en même temps, cela a souvent été dit, en tant qu'Afrique en miniature, s'offrant comme un foyer ardent de la fraternité, de l'hospitalité, de la convivialité africaine. Alors, les autorités, aussi bien camerounaises que celles de la Confédération africaine de football, projettent de faire de la prochaine CAN la plus belle jamais organisée. Cette ambition est sur le point de se concrétiser, c'est bien cela, professeur Narcisse Malekambi? Il y a un adage, j'étais tenté de dire présidentiel, qui se décline en ces termes, impossible n'est pas camerounais. Nous pensons fermement que l'objectif fixé, l'objectif assigné, l'objectif majeur de la réussite, du succès, de l'excellence est à notre portée. Il nous semble qu'il sera atteint au regard de la haute clairvoyance et de la bienveillance du président de la République qui n'a ménagé aucun effort pour qu'il en soit ainsi.
le président de la République qui veut que la CAN soit une merveilleuse offrande du Cameroun à la jeunesse africaine. D'où l'engagement et la détermination de toutes les parties prenantes, sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, toutes les administrations, pratiquement, départements ministériels, entreprises, établissements publics, etc., sont impliqués, sont en mouvement pour cette cause. Et pour cette cérémonie, le gouvernement camerounais a retenu un prestataire événementiel de renom, à savoir Libre Creative Studio, pour ne pas le désigner, dont les états de service en matière d'organisation des événements internationaux en Europe et en Afrique sont révélateurs de sa capacité à relever le défi de l'excellence spectaculaire. Je rappelle que ce prestataire est celui-là même qui a organisé, nous supposons, avec brio, les cérémonies d'ouverture et de clôture, fortement appréciées, du CHAN au début de l'année. Et il nous semble que les orientations qui lui ont été données vont dans le sens d'un nec plus ultra, aller le plus loin possible. Alors pour la CAN, il va certainement monter en puissance, le prestataire, avec la contribution des membres de toutes les commissions techniques du COCAN, des administrations et des structures partenaires. La fête, je puis vous le dire, avec une certaine émotion, me semble-t-il, s'annonce belle. Elle aurait été plus belle, n'eussent été les contraintes de la pandémie du Covid-19, qui, hélas, va imposer de nombreuses restrictions, notamment un nombre réduit d'invités à cet événement au Palais des Congrès, qui ne sera pas en mesure d'offrir sa pleine capacité, qui est de 1500 places, pour la cérémonie indiquée, la cérémonie de demain, quelques 500 cartons d'invitation, donc pratiquement le tiers de la capacité du Palais des Congrès, et une centaine d'accréditations pour les hommes de médias ont été produits par la CAF. Nous insistons, par la CAF. Nous savons l'engouement et l'enthousiasme des populations, du grand public camerounais pour cette cérémonie, qui, hélas, ne sera pas accessible à un très nombreux public. La règle est qu'une partie des invitations, soit la moitié, soit allouée au pays organisateur. Et le COCAN doit donc gérer de manière très parcimonieuse, mais ô combien fastidieuse et, j'étais tenté de dire, complexe, quelques 300 cartons d'invitation pour l'ensemble des personnalités, des corps constitués, des partenaires et convives de divers rangs, représentants d'institutions républicaines, d'administrations, de groupes partenaires, et j'en passe. Et conformément au protocole sanitaire, arrêté d'accord parti par la CAF et le COCAN, et compte tenu des mesures gouvernementales en matière de lutte contre le Covid-19, contre la propagation du Covid-19, et au regard du protocole sanitaire appliqué par la CAF et la FIFA, l'accès au Palais des Congrès sera exclusivement et restrictivement réservé à des personnes dûment invitées ou munies d'un badge d'accréditation et justifiant d'un test Covid-19 négatif. Nous insistons, c'est une exigence qui s'impose. De moins de 72 heures. Oui, voilà, moins de 72 heures selon la réglementation déjà classique. Quittons, Monsieur le ministre, si vous le voulez bien, l'organisation pratique de la cérémonie de demain pour évoquer de façon, dans une perspective plus large, le plateau infrastructurel du Cameroun. Comment se présente-t-il à date sur le plan sportif et quels en sont les effets induits sur l'aménagement du territoire de façon globale? Alors là, nous sommes dans la logique de ce que nous appelons la cohérence,
la pertinence et la grande vision de la politique présidentielle. Car vous le savez, le président de la République a été élu sur la base d'un programme, a été plébiscité sur la base d'un programme, celui des grandes opportunités. Et dans le cadre de ce programme, le président de la République, le président Paul Biya, a fait de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures dédiées à la CAN l'un des axes majeurs de sa politique d'aménagement du territoire. Ceci en vertu de la place qu'occupent les activités physiques et sportives dans sa vision politique telle qu'elle est déclinée dans son célèbre ouvrage « Pour le libéralisme communautaire », où il parle du citoyen idéaliste et du citoyen spiritualiste. C'est la raison pour laquelle l'État du Cameroun, sous l'impulsion du chef de l'État, a consenti des moyens colossaux, j'étais tenté de dire inédits, dans la construction, la réhabilitation d'infrastructures sportives de qualité. À ce titre, aujourd'hui, le Cameroun compte quelque 35 infrastructures sportives aux normes internationales sur toute l'étendue du territoire national au profit de la jeunesse camerounaise et africaine. Je rappelle que plusieurs pays font désormais recours au Cameroun pour l'organisation de leurs événements sportifs. Vous savez, certains stades dans quelques pays ont été suspendus et ne peuvent donc plus accueillir de compétitions internationales CAF ou FIFA. Ainsi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2021, la République centrafricaine, pays frères et voisins, et même le Burkina Faso, entre autres, souhaitent recevoir leurs adversaires au Cameroun le mois prochain. Et nous considérons que le devoir de solidarité africaine nous amène à nous ouvrir à cette sollicitation et à permettre à ces équipes, ce ne sera d'ailleurs pas la première, puisque la RCA a déjà eu à livrer un match contre le Maroc, si mes souvenirs sont bons, dans ce contexte, au stade de la réunification de Bepanda. Ce qui est naturellement un grand privilège pour notre pays. Oui. Monsieur le ministre, dans le bouquet infrastructurel dont dispose le Cameroun aujourd'hui, le stade de Lembe fait office de fleuron. Oui. Qu'est-ce qui distingue cette infrastructure sportive des autres et où en sont rendus les travaux de finition ? Lembe, ce magnifique rêve qui est en train de se concrétiser. C'est un complexe sportif, unique en son genre, son unicité, sa singularité, sa spécificité. Tout est dans ses qualificatifs. Lembe est un projet gigantesque et futuriste, présenté d'ailleurs par les experts. Nous en recevons beaucoup qui visitent le complexe, qu'il s'agisse de ceux de la FIFA ou de la CAF ou d'observateurs de divers bords qui ne cachent pas leur émerveillement sous les tropiques. Nous nous comprenons. Cette infrastructure futuriste est ainsi présentée comme l'une des plus complexes et des plus achevées, des plus modernes au monde. Et nous le disons sans aucune exagération. Tous les travaux rentrant dans la première phase sont en cours d'achèvement, parce qu'il faut distinguer deux grandes phases. D'ailleurs, une délégation de la CAF a séjourné au Cameroun du 6 au 11 août dernier afin d'inspecter cette infrastructure. Et ceci en prévision de la rencontre Cameroun-Malawi que nous souhaitons y organiser le 3 septembre 2021. Rencontre comptant, comme vous le savez, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et c'est une infrastructure qui comporte, nous disons, dans sa première phase, un grand terrain de compétition de 60 000 places. Il me semble
qu'en Afrique, le plus grand des stades offre 70 000 places. Encore qu'il ne s'agisse pas pour ce stade d'un complexe sportif. Nous sommes à 60 000 places, avec deux terrains d'entraînement aux normes et standards internationaux. Ces deux terrains d'entraînement, l'annexe A, l'annexe B, ont d'ailleurs servi à l'organisation réussie du dernier CHAN. Un hôtel de haut standing, de 72 chambres, y est prévu, un centre commercial, des salles de cinéma et d'autres commodités. Alors, nous ajoutons que dans la deuxième phase du projet, d'autres travaux sont prévus, avec la construction des cours de tennis, d'un gymnase, un grand gymnase pour la pratique de plusieurs autres disciplines sportives, d'une piscine, et nous disons d'une piscine olympique, entre autres, évidemment, un héliport est également prévu. Nous passons sur tous les autres éléments de fonctionnalité technologique, etc. Alors, avec Olembe, nous semble-t-il, et par la volonté du chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, le Cameroun se présente aujourd'hui comme l'un des pays, lorsqu'on y ajoute le magnifique complexe sportif de Japoma, le beau stade de Rumde Adja, le beau stade de Bepanda, le stade de Kwekong, le stade de Ngueme, Alimbe, et les autres. Nous avons parlé de 35 infrastructures moderne, le Cameroun se présente comme l'un des pays les mieux lotis en la matière. Et je puis vous dire que selon une confidence que m'a faite hier encore un haut dirigeant, grand connaisseur des arcanes du football du continent africain, il n'y a pas trois ou quatre pays en Afrique qui soient aujourd'hui capable d'organiser une CAN à 24 équipes. Nous disons, il n'y a pas, aujourd'hui en Afrique, en l'état actuel des choses, des pays offrant, comme le Cameroun, des garanties pour l'organisation d'une CAN à 24 équipes. C'est tout dit. À l'épreuve des faits maintenant, monsieur le ministre, nous allons confronter votre propos à la réalité vécue sur le terrain. Oui. Par l'une de nos équipes, sur le site de l'Embe et plus globalement sur, dans la poule de Yaoundé. Nous sommes pratiquement à 5 mois de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La compétition aura lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Dans la capitale politique Yaoundé, deux stades ont été retenus pour ce rendez-vous sportif. En ce qui concerne Fandena, qui a déjà fait ses preuves avec le CHAN, je pense qu'il y a seulement des petits réglages à faire à ce niveau. Donc nous sommes déjà en train de constituer toute l'équipe. Il doit donc se mettre au travail. Pour Olembe, les travaux vont bon train, surtout en ce qui concerne l'intérieur du stade. Tout a été fait et à l'extérieur, les travaux sont en train d'être faits avec Rajel et les sous-traitants pour pouvoir donc non seulement embellir l'extérieur, mais aussi faire tous les travaux de gazon, de verdi et de voies qui mène au stade. Nous avons plein des hôtels qui ont été retenus et d'autres qui se sont ajoutés. Ils sont en train de suivre le cahier de charge donné par la CAF. Et nous n'avons pas d'inquiétude. Le ministre du Développement urbain a mis le grand paquet. Les autres voiries urbaines qui mènent soit à Olembe, soit à Fandena, sont presque à la fin. Il y a même une autre voie qui a été faite, qui va passer par Emana et sortir vers Montfébé. Il y a d'autres voies qui sont en construction. Mais la bonne nouvelle, c'est que
les instructions ont été données pour que la voie de contournement, la route de Colmessin, soit faite avant ces échéances. Le stade ultramoderne d'Olembe, construit sur une superficie de 34 hectares, situé à environ 13 km du centre-ville, accueillera la cérémonie d'ouverture et de clôture de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Des mesures sont prises pour que ce complexe sportif soit prêt pour l'événement. Deadline le 30 novembre 2021. Par rapport aux prévisions que nous avons faites, nous sommes assez bien avancés. L'aire de jeu, vous pouvez le voir, est prêt. Nous avons tous les systèmes, son, éclairage qui sont prêts également, les vestiaires et tous les espaces médias qui seront prêts pour cette rencontre. Le stade sera livré le 30 novembre. Donc il y a des items sur lesquels nous allons travailler après la rencontre Cameroun-Malawi. Donc il faudra poser le tartan sur les différentes pistes d'athlétisme. Il faudra finir les VRD que vous avez vus à l'extérieur et les espaces verts et finir également l'habillage du stade par les écailles de pangolin. Tout ceci sera achevé au 30 novembre. Le site a d'ailleurs reçu la visite d'une délégation de la CAF, la Confédération africaine de football, dans l'optique de confirmer l'opérationnalisation des secteurs clés nécessaires à l'organisation des manifestations sportives et culturelles d'envergure. Entre autres, des matchs tests et surtout la rencontre du 3 septembre qui opposera le Cameroun au Malawi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de football Qatar 2022. Toutefois, en dehors des équipements sportifs, les acteurs et responsables du secteur hébergement et restauration ont intensifié leurs efforts pour améliorer le potentiel touristique de la capitale politique. Il faut organiser tous les séjours, n'est-ce pas, de ces hôtes-là, autant avant, pendant et après, ce qui fait que pour le ministre de Tourisme et de Loisirs, c'est une question très préoccupante et nous y travaillons depuis à ce que le ministre d'État a convoqué toutes les entreprises touristiques. Chacune en ce qui la concerne, que ce soit les agences de voyage, que ce soit les restaurants, que ce soit les hôtels, convoquer tout ce monde-là pour qu'ils puissent offrir le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons jusqu'à présent travaillé à la mise en disponibilité des hôtels. Pour ce que nous avions présenté à la CAF, tous les hôtels retenu, poursuivent encore avec les entreprises de travaux pour certains et les promoteurs privés pour d'autres. Ils poursuivent avec nous tout ce qui a lieu de faire pour rendre ces hôtels viables et nous n'avons aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, nous pouvons penser qu'au niveau de la disponibilité, nous n'avons pas de problème. Il y a une offre suffisante. Et nous travaillons à ce que l'offre puisse aussi se diversifier et offrir des alternatives. Et nous travaillons donc au-delà, n'est-ce pas, des hôtels retenus à offrir des alternatives qui puissent permettre d'élargir l'assiette de l'offre. De nouveaux hôtels et restaurants ont ainsi été construits et d'autres rénovés pour répondre aux normes internationales tout en respectant les prescriptions actuelles relatives à la lutte contre la propagation du coronavirus. Ce qui reste à faire là, donc, comme vous pouvez le constater, là, c'est la réception du mobilier. Donc le reste du matériel normalement est déjà là, à installer. C'est juste d'autres matériels qui continuent à arriver. Donc en fait, juste là, c'est juste l'installation. C'est un hôtel qui est équipé d'un système de climatisation de dernière génération, dont au Cameroun, ce sera la première. Donc, ce système de climatisation au niveau des centrales, donc, c'est doté d'un appareil qu'on appelle des appareils UV, qui permet de nettoyer notamment l'air qui est véhiculé dans l'hôtel. Donc, c'est en cas où, en cette période même du Covid-19, donc, cet appareil-là permet également de nettoyer jusqu'au Covid-19. Donc, du coup, l'air qui est en circulation dans l'hôtel, c'est l'air assez pur. Donc, c'est un hôtel de dernière génération. En fait, c'est des systèmes qui sont en général actuellement avec la Covid-19, qui sont en train de se faire installer dans les hôpitaux, mais c'est pour une première. Au Cameroun. C'est un hôtel normalement de 90 chambres. Dans les 90 chambres, vous avez 21 suites juniors.
vous avez trois suites royales et vous avez également, ce sont six chambres standards. Alors on est presque prêt, on est sur les derniers préparatifs. Bien sûr, on a fait un travail de fond ici sur la rénovation de l'hôtel. On a entièrement rénové l'hôtel depuis septembre 2019. On a rouvert depuis le mois de mars 2021. Et bien sûr, on a encore les derniers préparatifs à terminer pour la Cannes. Mais on est prêt à 90%. L'hôtel Mérina, c'est un hôtel 4 étoiles maintenant. Du fait des rénovations, on a gagné donc une étoile. Donc on a un produit pour nos clients qui est aux standards internationaux, pour la clientèle internationale. Donc pour recevoir les clients de la Cannes, nous sommes fin prêts. On a encore du travail au niveau de l'hôtel et au niveau aussi de la formation du personnel pour mettre tous les petits détails, les petits plats dans les grands. C'est le renforcement des capacités de notre équipe en termes de bonnes pratiques d'hygiène, de bonnes pratiques d'accueil et de service à la clientèle. Nous avons pris part à une formation organisée par le bureau de mise à niveau depuis le mois de décembre qui a fait l'objet de plusieurs modifications de structuration et d'organisation à l'interne. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de procédures, un certain nombre de contrôles sur le plan d'hygiène qui ont été mis en place depuis et que nous essayons de pratiquer et surtout de maintenir pour veiller à ce que la qualité de service, la qualité de l'hygiène dans notre établissement soit optimale au moment où nous aurons à recevoir donc nos hôtes au sein de l'établissement. La rénovation et la réhabilitation des bâtiments existants et des sites touristiques de la capitale ont été salués par de nombreux habitants qui pensent qu'il s'agit là d'un tremplin vers un meilleur développement. Les mots me manquent pour pouvoir apprécier le niveau de développement, les infrastructures que l'État a mis sur pied dans la ville à l'occasion de la Cannes. Vu les efforts fournis par la communauté urbaine à travers certaines sensibilisations et autres, je vois que le Cameroun a assez investi pour cette Cannes et que nous sommes prêts d'ailleurs à l'accueillir. C'est un événement tant attendu, non seulement pour le développement de la ville, mais aussi également pour le développement humain. Parce que cette organisation de la Cannes ne bénéficie pas seulement pour l'embellissement de la ville, mais aussi pour le développement des techniciens qui se trouvent dans la ville. Nous remercions franchement le gouvernement, surtout le chef de l'État, pour cet événement pour la jeunesse. Et nous sommes fiers d'être Camerounais. On est très contents qu'on a conçu beaucoup de l'hôtel, on a fait la route, on a fait l'électricité, on a rénové tout ça. On est très contents. Cette prise de conscience croissante des populations de la région du centre relativement aux efforts fournis par le gouvernement de la République pour l'épanouissement général est un signe positif à quelques mois de la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football qu'organisera le Cameroun. Retour à vous, Monsieur le Ministre. Mm-hmm. Les stades de Japoma et Bepanda à Douala ont eu le privilège d'accueillir certains matchs, certaines rencontres du récent championnat d'Afrique des Nations, en abrégé CHAN. Ces infrastructures sportives ont-elles gardé la même splendeur? Et plus globalement, à quoi devront s'attendre les équipes logées dans la pôle du littoral? Alors, cette question met en évidence la nécessaire prise en compte de la maintenance des infrastructures, mais également du suivi, tant dans la Menoire, Banganté, dans le Ndé, et même de l'autre côté du pont sur le Noun, donc dans le département du Noun, du côté de Koptamo, un bel établissement touristique, Pepenoun, pour ne pas le nommer, que nous avons eu à visiter et qui pourrait également servir à l'accueil et à l'hébergement de supporters ou de personnes en recherche de dépaysement ou d'hébergement sur des sites écotouristiques. Comme je le soulignais à l'entrée de cet entretien, la région de l'Ouest se présente aujourd'hui comme l'une de celles qui ont particulièrement bénéficié de l'attention du président de la République et des retombées de la Coupe d'Afrique des Nations à travers l'ambitieuse politique d'aménagement du territoire qui sous-tend l'organisation de cette cérémonie. À titre d'exemple,
Et nous sommes bien placés pour en témoigner au regard des pérégrinations multiples et des missions d'inspection que nous avons eues soit à y conduire, soit à y accompagner. Il y a, pas si longtemps, la voirie urbaine de Bafoussa, notamment la traversée, ce qu'on appelle la traversée urbaine du chef-lieu de la région de l'Ouest, était un véritable parcours du combattant. D'aucuns parlaient même d'un cauchemar. Aujourd'hui, pour ce tronçon, pour ne citer que celui-là, et pour les autres, la circulation est fluide. De nombreuses infrastructures routières sur des dizaines de kilomètres ont été réalisées. Pour les infrastructures sportives, cette poule est en surcapacité, de sorte qu'il y a des stades qui ne seront pas sollicités. Nous avons, avec la CAF, ce matin même, établi le tableau de correspondance entre les établissements d'hébergement et d'accueil des équipes et les stades d'entraînement. Nous aurons peut-être la moitié des stades d'entraînement construits par l'État à l'Ouest qui seront sollicités par la CAN. Les structures sanitaires ne sont pas en reste, elles sont viables, avec notamment la construction et l'équipement de l'illustre hôpital de référence de Bafoussa. D'ailleurs, tout près du stade omnisport de Kouékong. J'ajoute que l'aéroport de Bafoussa a également été remis à niveau dans la perspective de l'accueil des équipes, des délégations officielles, des supporters et d'autres personnalités venant dans le cadre de la CAN à l'Ouest. Vous le dites si bien, Monsieur le Ministre, aéroports, stades, routes, hôpitaux, la région de l'Ouest est en véritable, en pleine métamorphose. Témoin privilégié de toutes ces transformations, notre correspondant sur place, Wilfried Koto. Dans le package du site de l'Ouest, principale infrastructure de cette CAN, le stade omnisport de Bafoussa à Kouékong. Nous avons un stade qui est prêt à accueillir la CAN. Ça n'attend plus que les acteurs. Donc nous avons ici un stade qui est construit sur 20 hectares avec 2 aires de jeu. Un stade principal avec 20 000 places. Tout a été prévu selon les normes CAF. Donc, nous pouvons vous rassurer que le vœu cher de notre chef de l'État d'organiser la CAN au Cameroun par rapport à Bafoussa, Bafoussa est prêt. Ici, nous sommes dans un studio TV. Je peux vous rassurer, tel que les ingénieurs l'ont dit, ce studio sera prêt. On va rendre un hommage particulier au chef de l'État pour avoir offert gracieusement toutes ces infrastructures à la région de l'Ouest. Quatre stades d'entraînement, l'Arena Stadium de Mbouda, Stade Photo Victor de Bandioun, Stade de Bamenzi, Stade annexe de Kouékong. Ce cadeau du chef de l'État à la jeunesse de Bafoussa, en particulier à la jeunesse camerounaise en général, il va bien falloir continuer à bien entretenir ce joyau architectural. L'État est allé au-delà du cahier de charges. En bonus, 3 terrains d'entraînement. Nous avons d'autres stade d'entraînement que l'État a construit pour rapprocher ces stades aux différents hôtels. Je parle ici du stade de Bangou, du stade de Toket, qui est dans la ville de Bafoussa, ainsi que le stade municipal de Bafoussa.
Au total, le site de l'Ouest offre 8 stades, un stade de compétition et 7 stades d'entraînement. Côté hébergement, l'hôtel Zingana, retenu pour recevoir les officiels de la Confédération africaine de football. L'hôtel de la vallée de Bana, cadre d'hébergement de 2 équipes. Le Tajidor Garden de Bangou recevra également 2 équipes. Au-delà de ces hôtels, l'Ouest offre d'autres sites d'hébergement, entre autres l'hôtel Farida et Frères à Banganté, l'hôtel de Pet Penoun dans le Noun. Côté sanitaire, le centre hospitalier régional de Bafoussam est en cours de finalisation. Sur la route de la CAN Total Energy Cameroun 2021, Bafoussam fait sa mue pour se présenter à l'Afrique et au monde dans ses plus beaux atours. Bafoussam a bénéficié de plus de 103 km de route, de voies, de voiries, parmi lesquelles 20,6 km en béton compacté au rouleau. L'éclairage public, vous voyez toutes les voies, le CAN, vous partez de l'aéroport jusqu'à la nationale numéro 6, il y a l'éclairage public. Les feux sont déjà en pleine utilisation. Voirie urbaine refaite, route principale et secondaire enrobée et éclairée, tous les sites de la CAN à l'Ouest sont reliés par des routes enrobées. Le chef de l'État a mis des moyens dans la région de l'Ouest pour transformer cette région pour abriter cette CAN. Le site de l'Ouest n'attend plus que le tirage au sort pour être fixé sur les équipes qu'il va recevoir au premier tour de ce rendez-vous suprême du football africain. Monsieur le ministre, la tenue au Cameroun de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, CAN Total Energy Cameroun 2021, et la matérialisation d'un engagement, je dirais d'un engagement fort et déterminé du président de la République, son excellence Paul Biya. Comment appréciez-vous le rôle joué par le chef de l'État pour offrir à la jeunesse sportive africaine ces belles retrouvailles? Il n'y a aucun doute. Aucun doute qu'à travers ces gigantesques et magnifiques réalisations, le président de la République, son Excellence Paul Biya, démontre une fois de plus le grand intérêt qu'il accorde à la jeunesse en général et à celle sportive en particulier. En effet, de manière significative, dans le cadre de sa profession de foi à l'élection présidentielle d'octobre 2018, et comme dans son discours de prestation de serment, après sa brillante réélection, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a mis l'accent sur l'importance à accorder au sport et aux infrastructures sportives. Le sport en tant qu'instrument de rayonnement international de notre pays, instrument d'inclusion sociale, de consolidation de l'unité et de l'intégration nationale, d'affermissement du sentiment d'appartenance à une même communauté, de brassage des populations et même de rapprochement entre les nations. La preuve, la CAN, c'est un regroupement de 24 nations qualifiées et au-delà du continent africain tout entier. Et évidemment, de manière subséquente, de la planète football tout entière. Les majestueuses réalisation sur les sites de Bafoussam, Bouéa, Limbé, Douala Japoma, Douala Bépanda, Garoua, Yaoundé Fandena, Olembe, etc., qui, dans le cadre de l'ambitieux programme d'aménagement territoire, font désormais du Cameroun une plateforme résiliente
sont la matérialisation concrète de cette volonté du président de la République. Et suivant les très hautes prescriptions du chef de l'État, le choix de ces sites pour abriter les différentes infrastructures obéit. Cela n'a pas souvent été dit à un maillage subtil, à un quadrillage rationnel et systématique. J'étais tenté de dire géopolitique, chirurgical, tenant compte de la volonté de servir et de desservir les quatre grandes aires culturelles du Cameroun. C'est ainsi que nous aurons dans l'aire culturelle Sawa, Douala, Limbé et Bouéa. L'aire culturelle Sawa qui englobe les régions du littoral et du sud-ouest. Dans l'aire culturelle Fambéti, nous aurons les sites de Yaoundé Olembé, Yaoundé Fandena, le stade Amadou Ahidjo, l'aire culturelle Fambéti s'étendant sur les régions du centre, du sud et de l'est. Bafoussam représentera l'aire culturelle Grassfield, qui, comme vous le savez, recouvre les régions de l'ouest et la région voisine du nord-ouest. Et Garoua, le cœur de l'aire culturelle soudano-sahélienne. Nous disons le cœur, pourquoi ? Parce que nous sommes à mi-chemin de l'Adamawa et de l'extrême nord, donc cette aire soudano-sahélienne regroupe la région de l'Adamawa, la région du nord et la région de l'extrême nord. Comme vous le voyez, le président de la République a voulu que la CAN soit l'affaire de tous les Camerounais, sans distinction aucune, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Autre site en direction duquel seront portés tous les regards, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique, c'est bien le site de Garoua. Ce site est-il prêt à accueillir les milliers, voire les dizaines de milliers d'amoureux du ballon rond qui pourraient être tentés de s'y rendre, à la fois venant des zones périphériques des pays voisins? Alors mon témoignage est authentique. Pourquoi authentique? Parce qu'il n'est pas virtuel. Il est réel, il n'est pas fictif, il est effectif, il n'est pas artificiel ou martien, il s'inscrit dans la réalité de la Terre sur laquelle nous vivons. Nous n'allons pas la chercher sur la planète Mars, comme certains le font sur les réseaux sociaux et répandent des fake news ou des informations malsaines ou malveillantes. Le site de Garoua a été peut-être celui qui a été le plus visité par les instances de la CAF et du COCAN et même de la FIFA. Je puis vous dire que, certes, il y a eu des difficultés au démarrage, il y a eu un certain nombre de problèmes dont il fallait surmonter les aspérités et les difficultés. Mais le gouvernement a pris la mesure de tous ces problèmes et a tout mis en œuvre pour que les solutions appropriées, idoines, adéquates, soient apportées à ces problèmes. De sorte qu'aujourd'hui, le site de Garoua, j'y étais il y a quelques jours encore, présente un visage resplendissant. Sa voirie urbaine a été rénovée de fond en comble. Des infrastructures hôtelières prestigieuses y ont été construites ou réhabilitées. Nous pensons, par exemple, à l'emblématique hôtel Le Ribadou. Nous pensons à ce joyau architectural qu'est l'hôtel Chalon, œuvre d'un jeune promoteur économique, mais qui a bénéficié du soutien de l'État. Sans compter les autres structures hôtelières, l'hôtel La Bénoué, dont la réhabilitation est en achèvement, le motel Plaza, le relais Saint-Hubert, Dreamland, Newtown et de nombreuses autres structures que nous avons recensées et dont nous avons présenté la liste à la CAF pour montrer qu'il y a du réceptif, pour montrer
qu'il y a un potentiel en matière d'accueil et d'hébergement dans la ville de Garoua et même dans ses environs. Last but not the least, nous avons le magnifique stade de Houndé-Adja. Dans tout le monde. Ah oui, nous avons été agréablement surpris d'entendre un expert de la FIFA dire que c'est l'une des meilleures pelouses qu'il ait jamais vues. Tant sur le stade de compétition de Houndé-Adja que sur le stade annexe. Bref, c'est une ville de Garoua complètement métamorphosée qui s'apprête à recevoir ses hôtes dès le lendemain du tirage au sort, c'est-à-dire le 18, dans le cadre des visites de familiarisation, mais qui le sera davantage encore, qu'il sera davantage encore parce qu'il y a des travaux en cours, qu'il sera davantage encore dans 3 ou 4 mois, et plus précisément en janvier 2022. Une nouvelle dynamique infrastructurelle est donc en cours sur le site du Nord à Garoua. C'est ce que confirme d'ailleurs l'une de nos équipes qui s'est rendue sur place. Transformée en une métropole moderne du fait de la construction des infrastructures sportives, hôtelières, routières et sanitaires, sous l'impulsion du président de la République, la ville de Garoua subit une métamorphose sans précédent. Garoua a subi d'énormes transformations. Et vous voyez, Garoua il y a 10 ans et Garoua aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Le gouvernement, les pouvoirs publics ont consenti d'énormes sacrifices et aujourd'hui, le résultat est là. Garoua a changé complètement. Nous avons eu des rénovations des hôtels. Nous avons eu des nouvelles routes aussi. Il y a eu beaucoup, énormément de changements. Les différents projets que nous avons bénéficiés, le plan UT, le projet C22, le plan triennal, tous ces projets sont arrivés au même moment et ça a permis à la ville de Garoua de changer positivement. C'est des projets visibles sur le plan infrastructurel, les routes, les voiries. La ville de Garoua a vraiment changé. Ça se voit, c'est apprécié par toute la population. Je profite de cette opportunité pour dire merci grandement, merci au président de la République qui a consenti d'énormes efforts pour rendre la ville de Garoua belle. Au quartier Houndé-Adja à Garoua, le stade omnisport de 20 000 places n'attend plus que la compétition. En matière d'infrastructure hôtelière, la région du Nord dispose d'un catalogue bien fourni. Plusieurs structures d'accueil et d'hébergement ont vu le jour. C'est le cas de l'hôtel Shalom. Nous avons vu tout ce que l'État fait au niveau des infrastructures, des aménagements qui ont été faits. Et à un moment, on s'est dit, pourquoi ne pas apporter la petite contribution à ce que nous puissions rehausser l'éclat de cet événement. En tant que promoteur hôtelier, je salue la volonté permanente de manifester le chef d'État, son Excellence, Paulia, pour tout l'accompagnement qu'il a bien voulu offrir à cette ville, pour que la ville de Garoua aussi soit parmi les villes qui ont été retenues, peut-être comme pétition. À l'hôtel Benoît, l'heure est aux finitions. Même dynamique dans les hôtels Plaza, le relais Saint-Hubert, l'hôtel Dreamland, l'hôtel Safari. Réaménagement des chambres, le réaménagement également de la cuisine. Nous avons fait appel également au grand chef pour que quand ces touristes-là arrivent, ils puissent se trouver dans leur pays d'origine et ils peuvent également trouver les délices du Nord, pourquoi pas du Cameroun. Donc nous avons également ajouté peut-être des maîtres d'hôtel pour que ces gens-là soient satisfaits à tout prix ici à Garoua. L'État s'est également investi avec la construction de l'hôtel Ribadou qui fait déjà ses preuves dans l'accueil des délégations. En termes d'hébergement, 70 chambres de classe réparties selon les normes internationales FIFA-CAF, 63 chambres single, double en twin, c'est-à-dire pouvant abriter les joueurs de football lors des compétitions,
Et ensuite, vous avez des grandes chambres single qui s'apparentent à des exécutives. C'est des exécutives rondes, c'est des grandes chambres, mais avec des mini-salons à l'intérieur. Ensuite, vous avez 6 suites, c'est-à-dire appartements avec 2 toilettes, un salon avec séparation en grandeur nature. Une suite présidentielle qui s'apparente également comme un lounge. Un lounge, ça veut dire que si on a un chef d'État en visite à Garoua, on peut effectivement l'abriter dans ce sens. Les populations attendent avec enthousiasme l'événement. Nous avons de bonnes routes, nous avons de bons hôtels, nous avons de bons hôpitaux, très très importants, de bons hôpitaux maintenant. Nous avons un hôpital de référence qui est en train d'être construit. Bref, Garoua est devenue une belle ville. Pourquoi ? Parce que les autorités ont mis le paquet pour mettre la population de Garoua dans de bonnes conditions. Au niveau des stades d'entraînement, tous les stades sont prêts pratiquement. Alors, notre appréciation est vraiment positive pour ce qui est de l'organisation de cette CAN pour la ville de Garoua. Cette fierté n'est point à démontrer en ce qui concerne ce don, on peut dire don en quelque sorte, que le gouvernement a voulu bien que la ville de Garoua puisse rayonner de tout ce qu'on voit, le stade, la route maintenue et tout le reste. Et tout ce qu'on peut bien dire aux populations de Garoua, c'est qu'elles doivent se comporter réellement comme des citoyens qui sont à la hauteur non seulement d'abriter ce grand événement, mais aussi d'aider le gouvernement à maintenir ces différentes infrastructures en bonne et due forme, et surtout dans la propriété. Plusieurs initiatives sont en cours pour rendre la fête plus belle. La CAN, c'est une opportunité énorme pour nous. Et déjà, au niveau, je suis président de CAC Garoua Cameroun qui fait dans les courses hippiques. J'ai même déjà fait une proposition à la COCAN, c'est-à-dire organiser des pôles d'animation dans la ville. C'est-à-dire, dans ces pôles, il y a des danses traditionnelles, il y a les fantasias, comme j'ai eu l'occasion de voir ça dans les pays arabes, au Maroc par exemple. C'est des pôles d'animation 24 heures sur 24. Il y a la musique, il y a les danses traditionnelles, il y a la fantasia. Et ça, là, ça anime la ville, ça permet de découvrir la culture camerounaise. Tout le monde y est impliqué. Et c'est la population qui gagne. C'est la population. Parce que si la CAN est là, c'est pas seulement l'État ou bien c'est pas seulement la vision, c'est la population, tout le monde y trouve son compte. Tout le monde va trouver son compte dans cette CAN-là. Les acteurs locaux sont mobilisés dans cette dynamique pour assainir et embellir la cité capitale du Nord. Nous avons entrepris à l'embellissement de la ville à travers l'opération Garoua Premier, toujours propre. À cet effet, la commune d'arrondissement de Garoua Premier à recruter les jeunes qui sont sur le terrain, à pied d'œuvre, pour changer le visage de la ville, nettoyer les artères, élaguer les arbres, bref, rendre la ville propre. C'est le slogan que nous avons retenu pour la ville de Garoua Premier. Le chef de l'État l'a bien dit, le Cameroun sera prêt le jour dit. Je le réitère ici pour dire que Garoua Premier est déjà prêt, la ville de Garoua est prête pour accueillir la CAN. Nous allons relever le défi. Sur le plan communal, nous avons 2 défis, la sensibilisation, la mobilisation des populations pour montrer l'importance et vendre l'image de la ville, notre riche patrimoine culturel, mettre en valeur en vue de réserver un accueil chaleureux et un bon séjour à nos visiteurs dans le cadre de cette grande compétition qui est tant attendue par tous les Camerounais. Et notamment la ville de Garoua. L'hospitalité de la ville, des populations, est innée dans leur sang. Souvent on dit Garoua est faite pour recevoir les étrangers. Et c'est vrai. Chaque personne qui vient à Garoua est à l'aise. Je suis convaincue que vraiment ça se passera très bien. La seule chose que nous demandons de la part du gouvernement, c'est que vous savez, nous avons eu des problèmes ici dans la partie septentrionale du pays l'année passée, suite à la sécheresse de l'année passée. Nous avons eu des problèmes pendant la saison sèche où il fallait rationner l'électricité. Donc ce ne serait pas bien que pendant la compétition,
qu'on se retrouve dans ces mêmes conditions. Nous souhaitons vraiment que l'État essaie d'accroître ses capacités afin que, pour l'avenir, pas seulement pour cet événement, que la ville de Garoua soit davantage électrifiée ainsi que les environs. Les populations entendent donner la pleine mesure de leurs moyens pour faire de cet événement une réussite sur toute la ligne. Monsieur le ministre, nous allons bientôt nous séparer. Les joueurs de l'équipe Fanion, les Lions indomptables du Cameroun, ont-ils pleine conscience de la responsabilité qui est la leur d'être l'équipe hôte de cette compétition, ce qui naturellement charrie un certain nombre d'attentes de la part du public et des Camerounais de façon plus globale. Ceci d'ailleurs, en plus, si l'on doit prendre en compte les lourds sacrifices qui ont été consentis par les pouvoirs publics. À votre question est tout à fait légitime. Au succès événementiel, nous devons accoler le succès sportif, la victoire, la participation honorable. J'étais tenté de dire majestueuse, magistrale, mémorable des Lions indomptables à la CAN. 50 ans après, je dis 50 ans après, l'historique et emblématique CAN de 1972, dont une certaine génération a gardé comme une espèce de traumatisme psychologique. L'aspiration est à la, réconciliation avec les consciences émues et perturbées de cette époque, désespérées de cette époque. Et cela passe par quoi? Cela passe par une équipe des Lions indomptables de la génération actuelle ayant justement cette conscience, cette pleine conscience des enjeux. Nous avons déjà remporté 5 tournois, 5 compétitions, 5 trophées de la CAN, ce qui fait du Cameroun le deuxième pays le plus couronné en matière de CAN. Avant, il y a l'Égypte, il y a le Cameroun, ensuite il y a le Ghana, avec 4 trophées. En organisant la prochaine CAN, l'ambition légitime des Camerounais est de tout mettre en œuvre pour la tenue de la meilleure Coupe d'Afrique jamais organisée, comme cela a été le cas avec le dernier CHAN, et autant que faire se peut, de remporter le trophée. Et cela est l'affaire de tous les Camerounais. Tous les Camerounais mis ensemble doivent porter, transporter, apporter cet élan de la victoire, doivent insuffler le souffle conquérant à notre jeune sélection nationale en cours de restructuration. C'est ainsi que des instructions ont été données, notamment par le Premier ministre chef du gouvernement, à la FECAFOOT, structure technique en charge de la gestion, quotidienne de l'équipe, de prendre toutes les mesures, mais toutes les mesures pour, avec les moyens que l'État met à la disposition, parce qu'il faut bien le dire, l'État met beaucoup de moyens, l'État investit énormément de moyens financiers dans le secteur du football, tant pour la participation de notre sélection nationale à des matchs amicaux, à des compétitions internationales, pour les préparations, etc. Et l'État ne ménagera aucun moyen pour assurer une bonne préparation et une participation honorable des Lions indomptables à cette compétition que le Cameroun, je l'ai dit tout à l'heure, accueille sur son sol près d'un demi-siècle après la toute première édition de 72, c'est-à-dire accueillie par le Cameroun. Mais nous devons avoir confiance, me semble-t-il. Je parle avec l'optimisme du cœur et le patriotisme dont l'élan doit nous porter tous. Nous devons avoir confiance en l'équipe d'encadrement en place,
sous la direction de l'entraîneur sélectionneur Tony Conceição. Il faut qu'une chose soit clairement dite. Il y a un contrat qui nous lie à l'entraîneur Tony Conceição. Ce contrat fait l'objet d'une évaluation permanente et constante. L'entraîneur sélectionneur nous rend compte de toutes ses activités. Il est en permanence avec ses assistants en rotation, en voyage, ça et là, pour superviser des matchs et dénicher des pépites. Et nous avons mensuellement des rapports de son activité. Et nous pouvons dire que la première évaluation de ses activités et de son bilan sont plutôt satisfaisants. D'ailleurs, je suis heureux de l'annoncer, c'est un scoop, le chef de l'État vient d'autoriser la prorogation du contrat de M. Tony Conceição et de l'ensemble de son équipe. En effet, lorsqu'on tient compte de ses résultats au cours des 10 matchs livrés sous son encadrement, ils sont appréciables. À savoir 4 victoires, 5 matchs nuls et une seule défaite. On signale d'ailleurs que nous avons eu 2 matchs contre le Nigeria. Nous avons remporté un, nous avons eu un match nul. Et cela n'était pas arrivé depuis 20 ou 21 ans. C'est un indicateur qui, nous l'espérons, ouvre des perspectives heureuses dans le cadre de la CAN. Je souhaite donc que le staff technique, dont nous voyons tous, les observateurs voient tous, l'ambition de rajeunir, de renouveler l'équipe, de faire de la prospection pour ouvrir, élargir sur des bases objectives. Parce que le credo, c'est les meilleurs parmi les meilleurs. Les meilleurs parmi les meilleurs sur la base de critères objectifs. Et sans exclusive, pour que les meilleurs talents soient à la disposition de la sélection nationale.